Et salut à tous, c'est Romain. On se retrouve pour l'épisode 4 de Batman Arkham Knight. Donc là, nous allons traverser ces délicieux 800 mètres à pied. Wouhou! Oh, le temps que je gagne avec ça. Oh, c'est un bug! Oh là, le bug! Oh, le bug que ça fait! La milice du chevalier d'Arkham a envahi la gare. Je dois les bonjour, le calendrier. Pour pirater le réseau de transport. Merci. Bonjour, calendrier. Merci. Bonjour. Calendrier. J'ai osé me tirer dessus. Bonjour. Calendrier. Ah, j'ai un peu trop abusé. Il y a quand même une limite aux balles. Les délicieuses balles Doom Doom étaient plus puissantes que je ne le pensais. Ah là là, délicieuses balles Doom Doom que tu nous tiens. La milice du chevalier d'Arkham a envahi la gare. Je dois les neutraliser et trouver le point d'accès qu'ils utilisent. Par contre, ça met pas le nombre de personnes qu'il y a, c'est une blague. Ah, 8 personnes à défendre. Avec le drone, il nous prendra pas par surprise. Y'a pas intérêt, si Batman accède au terminal, je sais pas ce que les pouvants le chevalier. Qu'est-ce qui s'est passé? L'usine chimique. Les trois de nos unités. Merde, il m'a vu. Oh merde, ils sont 4. Bon sang. Cible perdue, dispersion, je vais réfléchir les verres. On peut rien faire pour lui. On se disperse. On se venge. Je suis plus à craindre. Maintenant, vous brisez les os à tous les deux. Moi, je dois vous faire vraiment mal. Ça s'est défoncé. Ah, je l'ai éclaté contre ce truc.
Je lui ai pété sa délicieuse gueule. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser. Ah, je vais pouvoir utiliser ce délicieux PC portable. Putain, j'attends qui c'est qui vient. Oh mince, avec tout ce remue-ménage, j'avais oublié. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim... Il lui pètera sa gueule, Jim, ça lui fera pas de mal. Tu remettras les idées en place. C'est 3, 6, 3, 2, 8. Ah, prends ça. Peux me croire. Alfred, j'ai réactivé les commandes du pont. Formidable, je relance immédiatement le réseau. Laisse tomber les montagnes. Il est temps d'attaquer son vrai. Oh là là, il va casser les pieds. SBA qui je crois. Nigma. C'est le casse-couille. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont. C'est le relou. Petit Eddie, pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné? Eddie, mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le Batman. Oh, mais bien, il s'est fait attraper. Il va pas être content, Batman. Tu viens de prendre sa deuxième copine. Puisque la première est morte. Talia est morte. Choqué, chevalier noir, mais étonné. Y attendez pas. C'est parce que tu n'es pas de taille. Il va te péter la gueule. Nigma, l'homme mystère, ton supérieur intellectuel. Pour ce que tu souffrirais de notre dernière rencontre, chevalier noir. Il va t'éclater la gueule, Batman. Tu touches pas à sa Catwoman. C'est absolument impossible. Tu ne peux pas. J'ai déjà fait. Je me moquerai des tentatives de résoudre mes casse-têtes. Je poserai des lions sur ce cadavre tiède. Et alors que toute lueur s'estompera dans mon peuple des esprits maîtrisés, la leçon que j'aurai infligée sera ta dernière pensée. Viens à l'orphelinat, détective. Où est-moi? Où est-moi? T'es bon, t'as fini? Tu peux te péter ta gueule maintenant? Ça c'est Manbat. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que Manbat fout là? La créature chauve-souris rôde toujours sur Miagany Island. Je vais la traquer et prélever son sang pour déterminer de quoi ou de qui il s'agit. J'essaie d'imaginer. On voit pas ça tous les jours. Qui est capable d'en... No. Centrale, répondez. Ici Falcon 4. Visuel confirmé sur un des pompiers disparus. Il est détenu dans le secteur de Grand Avenue. Terminé. Bon, j'ai pris une mission, mais genre ça me dit pas où. Ah, attends, il dit quoi? Enquêter sur la prison, s'obtenir un échantillon. Il est chiant comme la mort. Il connaît pas une blague ou deux, ce type. Dans longtemps. Ouais, c'est par là. Faire ça. Ils me disent que je suis dessus.
Une fois qu'Alfred aura redémarré le système, je pourrai conduire la Batmobile sur Miyagami Island. Oh merde. C'est une balle, t'as pris un sol. Ça, je peux pas le faire en fait pour l'instant. Putain. C'est là-dedans. On va pas sauver Catwoman du coup. Des missions bizarres quand même. On a plusieurs tanks sur Miyagami Island. Terminé. C'était un tir 4 pour Manon Bess. Ça va pas. Ok, petite énigme, les gars. Comment on appelle un type qui est. Salut les blaireaux! De quoi qui met Thorak, mais tu dois quand même aller. Pourrais-tu défaire un esprit comme le mien? Salut chérie! Même si tu me vois pas! Ah bah elle est là. Batman, ça a intérêt d'être toi, et tu as plutôt intérêt d'être désolé. Oui, ma grande. On reste calme. Est-ce que tu vas bien? À merveille. Quelle petite fille n'a jamais rêvé de servir d'appât pour son grand gaillard de chevalier noir. On s'en va. Toi peut-être, mais pas moi. Ah, enfin tous les participants sont là. Ce soir, il y aura des énigmes à gogo. Non, mais il a voulu faire un cosplay du JDG ou quoi, là, avec sa vieille chemise, là. J'en ai eu assez de compter sur ce que les désespérants bavards de Gotham avaient à offrir en termes de main-d'œuvre décérébrée. Pourquoi s'encombrer d'humains quand on peut concevoir, programmer, construire et produire bien mieux soi-même?
peux la jouer. Cool. À toi. Yeah. Vous faites la paire. Je suis sûr que tu as apprécié, détective. C'est ce que tu connaîtras pas. Vois-tu, chevalier, cette facétieuse Baba Féline s'est vue offrir un collier flambant neuf de mon cru. À chaque défi réussi, tu empoches une petite clé. Récupère toutes les clés et c'est la liberté. Force si tu oses et le chaton explose. Eh bien, ne reste pas planté là, chevalier noir. Grimpe dans ton espèce de police supersonique et rends-toi en vitesse à la gare ferroviaire du Chaudron. Ma première épreuve t'y attend. T'y attend, Chaudron. Je reviendrai te chercher. Reste ici. Je porte une bombe, Batman. Je vais forcément rester ici. Va chercher mes clés. J'ai une petite énigme. À quel moment une porte mène-t-elle quand on essaie de s'ouvrir trop tôt? Oh, ta gueule. Selina Kyle, voleuse professionnelle, Gotham City, yeux verts, cheveux noirs, 1m70 pour 57 kilos. Première apparition dans Batman numéro 1. Au printemps 1940. Orpheline ayant dû apprendre à survivre dans les rues sinistres de Gotham, Selina Kyle se destine à une carrière de voleuse. Décidée à commettre ses forfaits avec style, elle s'entraîne aux arts martiaux et à la gymnastique pour parfaire ses compétences. Ses activités criminelles sont tempérées par un altruisme refoulé qui fait d'elle une fausse méchante à tendance héroïque. Elle entretient avec Batman une relation conflictuelle qui tourne surtout souvent au flirt et parfois même à la romance. S'agissant depuis la fermeture d'Arkham City, demeure mystérieux, mais une scène cambriolage au vol laisse penser qu'elle sévit toujours à Gotham. Gymnaste et athlète qualifiée, expertise en combat rapproché, grande maîtrise du fouet, reine de la furtivité, obsession pour le vol d'objets célèbres placés sous haute surveillance. Ah, on a les trucs, d'accord. Donc elle, c'était la directrice exécutive de Queen Industry, Star City... Attendez. C'est pas la même d'Arrow. Enfin, c'est pas celle qui est dans Arrow. Non, il n'y a que Arkham. Non, d'accord, c'est basé, ok, d'accord, très bien. Plein d'infos, mais ouais, je croyais que c'était un meuf dans Arkham, parce que Queen Industries, ça m'a mis un doute. Star City aussi. Donc, après une grande carrière en finance, Christina Bell rejoint le conseil d'illustration de Queen Industries à Star City. Au cours d'une transfusion suite à une fausse couche, Christina se voit au sang contaminé du Joker. Lorsqu'elle reprend le travail, se présente à une réunion armée d'un couteau et assassine sauvagement 11 membres du conseil, leur gravant un sourire sur le visage. Christina présente aujourd'hui plusieurs caractéristiques du Joker, comme son obsession pour Batman. Obsession violente pour Batman, totalement imprévisible et grand sens des affaires. Nous avons également Albert King, qui est un boxeur poids lourd de Gotham City. Yeux marrons, les cheveux noirs, 2m01 pour 129 kg. Première apparition de Batman Arkham Knight, juin 2015. Albert King, surnommé le Goliath de Gotham, est un boxeur légendaire, recordman incontesté du nombre de victoires par KO consécutives. Quelques jours avant son combat, Albert King est admis au Gotham General pour un examen de routine durant lequel il est infecté par le sang contaminé du Joker. Blessant toute sa famille dans un excès de rage, King
semble avoir été de l'aspect violent et sadique de la personnalité du Joker. Combattant expert, force surhumaine, rage incontrôlable. Merde. On veut les bio, on n'a pas fini les bio. On fait une pause, on fait les bio, ok. C'est pas cool le jeu. Ok, donc quel nom. Alors, Henry Adams, directeur professeur de Gotham City, yeux bleus, cheveux blancs, blonds par avant, 1m75 pour 73 kg. Première apparition dans Batman Arkham Knight. Juin 2015, directeur estimé de la prestigieuse académie McCallum, Henry Adams, est exposé au centre du Joker lors d'un examen de routine au Gotham General. Henry n'affichant aucun des symptômes relevés chez les victimes, son système immunitaire pourrait permettre de développer un antidote à la maladie. D'abord coopératif, Henry perd cependant patience et souhaite rentrer chez lui auprès de sa famille. C'est-à-dire un professeur de biologie. Nous avons Jonathan Bourne, qui est un chanteur de Gotham City, les yeux verts, les cheveux marrons. 1m78 pour 78 kg. Donc qui est Johnny Charisma, qui s'est fait un nom dans le milieu du cabaret avant de rencontrer le succès lors d'une émission de découverte de jeunes talents. S'il s'habitue à la controverse par la consommation de drogue et sa conduite en état d'ivresse, Charisma commet sur une groupie une agression inhabituellement violente. Depuis son affection, Charisma montre des signes de mégalomanie et affiche un comportement rappelant les mises en scène sadiques du Joker. Chanteur professionnel, narcissique et baryton. Et pour finir, on met le Joker. Ennemi juré, l'autoproclamé, prince, clown du crime, sa mort à Arkham City, déçu de l'ordre de Titan, secoue la pègre de Gotham tout entière. Beaucoup tenant Batman pour seul responsable, même dans la mort, l'héritage du Joker perdure à travers plusieurs personnages contaminés par des transfusions de son sang, affectés par le Titan et affichant depuis des aspects de sa personnalité. Malgré psychotique, récidiviste, force surprenante au corps à corps, passé inconnu, utilise diverses armes mortelles, souvent inspirées d'objets de fête, utilise une toxine mortelle qui défigure ses victimes. Il y a 2 ans, j'ai découvert que le Joker projetait d'envahir Gotham avec une armée de sbires génétiquement modifiés au moyen d'une substance appelée Titan. Avant que je puisse l'arrêter, le Joker a reçu une dose massive de sa formule et s'est transformé en une gigantesque abomination. J'ai réussi à le vaincre, mais l'exposition au produit lui a laissé de graves séquelles. Mourant, le Joker avait besoin d'un remède. Pour m'obliger à coopérer, il a contaminé mon sang avec le sien, ne me laissant d'autre choix que de le sauver. Mais ce n'était pas tout. Il avait également contaminé les banques du sang de Gotham. Conséquence, les patients gardés ici en quarantaine. Le sang modifié du Joker agit comme une infection par prion, attaquant le cerveau et transformant ces personnes en lui-même. Si l'on ne trouve pas un moyen d'inverser le processus, personne ne pourra arrêter ce qu'il a initié. Ok. T'inquiète, ma grande, j'arrive. Maître Bruce, j'ai repris le contrôle des ponts. Très bien. Je vous contacte dès que je suis en position à Mercy Bridge. Bonne nouvelle, Alfred. Yes. Alors merci, là, Batman, mon vieux, en voilà un sacré dilemme, pas vrai? Est-ce que tu vas... Je dois retourner au pont pour amener la Batmobile sur Miyagami Island. Une amie incompétente qui s'est fait enlever. À ta place, j'irai voir le défi concocté par lui. Je crois qu'il s'est donné beaucoup de mal. Et puis, tu ne peux pas sauver entièrement Barbara. Je l'ai déjà tué à moitié. Un défi au dépôt ferroviaire du Chaudron? D'accord, Enigma. Je vais jouer à ton petit jeu et je vais gagner la vie de Selina en dépôt. Ouais, parce que bon, elle a déjà perdu Talia. Ça ferait mal au cul, hein, de perdre Selina. On l'aime bien. Elle est gentille.
un peu avec toi, Batman. Il est fou, ce qu'il a fait. Qui veut s'amuser maintenant? Au moins, quand c'est le... Bonjour, calendrier. Voilà. De rien, ça me fait plaisir. Je vais péter ta gueule. C'est pas un méchant qui m'a attiré. Lui, il me casse les couilles, mais hein, j'aime pas du tout. Lui, le pingouin, je sais pas, j'ai du mal. Très bien, détective, commençons. Ce que tu regardes, avec une incompréhension ahurie, est un mécanisme que j'ai calibré pour réagir à une impulsion radar ultra précise. Dans un instant, je te donnerai le code décrypté, chevalier noir. Mais avant tout, passons en revue les règles du jeu pour les festivités de ce règle numéro 1. Régime n'arrive pas à suivre mon parcours auto-évolutif.
Je coupe la bride de post-combustion. Il me faudra toute la puissance. Je coupe la bride de post-combustion. Oh. Ah non. Je suis troublé, chevalier noir. N'est-elle pas censée aller plus vite que ça? Faisons un peu travailler ton cerveau sous-développé. Ah, mais putain. Plus vite, détective. Tu as sensiblement plus de chances de réussir si tu commences effectivement l'épreuve. C'est un échec retentissant. Un bon ouvrier ne blâme jamais ses petits chevalier noir. Mais puisque tu as construit toi-même cette habitat d'intérêt, ça va être dans ce très. Allez, d'accord. Ah, mais attends, ça s'écoule. C'est super mal branlé parce que genre c'est vraiment au... Putain, faut vraiment être devant. Si tu n'arrives pas à saisir par toi-même les bienfaits intellectuels de ces équipes, ne comptons pas sur toi, moi. Putain. Il est plus précieux que le tien. Ouf. Relax, chevalier noir. Quel dommage que les lois d'affichement empêchent toutes mes créations non écrites. À présent, détective, monte sur la plaque de pression à côté de moi. Écoute bien, chevalier noir. La vie de ta camarade. Ah, l'orphelinat et une série de vitrines ont fait leur apparition devant tout le monde. Les vois-tu, ma chère? Oui, je les vois. Bien! Une de ces vitrines, ma chère, contient la première. Les autres? Elles contiennent d'autres clés moins utiles. Des clés qui ouvriront ta petite tête et répandront son maître. Donc ça, c'est une ligne de 4. Tu dois indiquer à Catwoman la vitrine à ouvrir. Concentre-toi bien. Donc en fait, c'est ça. Donc toutes ces clés me tuent. Très bien, Batman. Voyons si tu es aussi intelligent qu'on le dit. Oh.
En voilà une. Mille bravo à notre duo de chat. Vous avez trouvé la première. Ok, ça savait. Oses-tu sincèrement qu'un défi élaboré par ma personne, le mystère, serait aussi entendant? Oh, je vais lui voir. Bien sûr que non, voyons. Mais maintenant, je dispose de téraoctets de données relatives aux performances du nouveau modèle de corbillard à réaction que tu pilotes. À ce propos, je vais préparer un petit quelque chose à Chinatown qui mettra davantage à contribution tes neurones. Ou le chat risque d'y perdre quelques-unes de ses précieuses. Oh, ça met une pompe à monter. Ah. J'ignore ce que l'homme mystère a construit sur Chinatown, mais ça ne m'arrêtera pas. Très bien, monsieur. Connexion établie. Comme prévu, monsieur, un déploiement réduit de drones est mis en place pour vous arrêter. Les drones attaquent! Fusez-moi! Diamondback touché! La prochaine fois, c'est cuit! La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion. Explosion. Bombe désamorcée. Explosion. Combien de points? 3 points. Tenu. Ok. Maintenant. J'ignore ce que le mystère a construit sous Chinatown, mais ça ne m'arrêtera pas. N'est que de l'air. Hein. Répondez, centrale, ici Falcon 5. Une émeute a éclaté dans le chaudron, terminé. Batman, faites gaffe!
cas. Je vois que tu as commencé à mettre ton piètre cerveau à l'œuvre sur mes énigmes. J'ai eu le temps de les mettre au point. Après que tu m'as laissé battre du Hein? Donne ton petit bouton. On ne m'en pense pas. Alors, résume les énigmes si tu veux. Imagine, tous tes copains vont vivre le même enfer que toi. Hop. Ça va être des courses à mon avis là. Alors, chevalier noir, tu en veux encore? Cours pas avec la voiture. Bien, bah ouais, genre ils ont compensé le fait que t'as pas utilisé du tout la Batmobile pendant les autres aventures pour te la claquer là. T'as encore des conneries à me dire comme ça ou je peux te péter ta gueule maintenant? Avec le ballon, je vais voir ce que ça donne. Essayer un autre truc. Le point dans l'autre côté de l'autre mis la voiture. La chasse des
me faudrait peut-être un guide sur des territoires. C'est bloqué. Chevalier Noir, j'ai conçu cette épreuve avec un certain niveau de compétence à la. Elle s'est bloquée cette. Ah. Magique. Non, 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 non. Oh putain, c'est quoi ce truc? Ah mais oui. Non, 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 non. J'ai trouvé. J'ai mis là. Ça marche, mais... Donc là, je sors ça. Oh putain. Ah, faut que j'aille doucement. Mais non, je suis con. Là, ça bloque. Je pourrais profiter du contrôle à distance de la Batmobile. Tu pouvais pas le dire avant ? Oh
Oh mais non, mais c'est une blague ça par contre. Oh, foutez de la gueule de qui là? Attends, c'était ça l'énigme, c'est une blague. Non mais c'est vraiment une énigme de merde. Oh, tu m'as pris pour qui là? Félicitations, chevalier noir. Tu gagnes l'accès à la prochaine étape de l'énigme. Va voir le château. Ok, donc faut qu'il y ait une ligne de lignée. Oh putain. Oh, joie. C'est encore le moment de jouer à explosera, explosera pas. Donc il y a trois. Attends, il y a ça qui va pas. Pourquoi c'est le même truc? Prise à la gorge. Mais quand ce collier explosera, donc là il y a les trois. Donc elle est 3. T'as pas intérêt à te tromper, Batman. Ah, parce que c'est dans le sens où elle est. 7 toujours en place. Bien. Collier toujours en place. Moins bien. Félicitations! Réjouis-toi, tu as réussi à prouver que tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air! Bête que tu en as l'air! Maintenant, Catman, tu peux fêter ta survie en informant Batman des formidables nouveautés qui l'attendent à l'orphelinat! Compte pas sur moi pour ça. Minou, 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 minou. Ça alors, Batman? Une mystérieuse grande porte verte? Oui! Oui, le voilà! Reviens alors, venez là, Batman, que je vous passe en éclair.
Hop, deux ans d'ascenseur là. C'est parti. Je te félicite, chevalier noir. Tu devrais, je l'espère, commencer à prendre la mesure de la tâche qu'il te faudra accomplir, à réaliser l'ampleur du défi que je t'ai lancé. Mais peut-être pas. Peut-être que tu te sens en verbe. Peut-être que cette première victoire t'emplisse de faux espoirs. Eh bien, soit. Laisse cet insupportable élan de suffisance de conduire jusqu'à l'ordre de Dinard. Je t'attends, t'attends. Bon, ça utilise pas les trucs. Ces tanks et tous ces trucs, ça a dû coûter une blinde. Ah, mais parce que je peux pas y aller sans ma voiture. Je peux pas y aller avec ma voiture. Merde! Annule! Tomber dans l'eau. Et non. Centrale, répondez. Il y a un corps sur un toit à Kingston. Ça a l'air moche. Falcon 4 terminé. L'escorte. Il se rattrape. Il a rebondi quoi. Le pingouin est double face, il bosse en... Heureux de te revoir au Mysterarium. Rassure-toi, ton ami est sain et sauf. Mais avant que je t'autorise à la voir, Résous cette énigme. Quel genre de question ne peut être posée qu'après mûre réflexion. Bonne chance. Non, chevalier noir, non, tu es bien plus loin que tu le crois. Tu
Quel genre de questions on peut te poser après une réflexion? Ouais, mais c'est avec ça qu'il faut tourner. Comment ça, solution non alignée? Mais non. Ah oui. Comment ça, partiellement détecté? J'ai mis au droit tout à l'heure ou pas? Toi, tu bouges plus. Comme ça, le nom aligné. Bon, on va tricher parce que c'est en train de me péter les couilles, là, ces trucs de merde. Tu le mets dans n'importe quel sens, ce n'est pas aligné, ce n'est pas détecté. Oh, ta grosse mère, ok? Va bien te faire enculer, Dornigma. Tu pues la merde! Tu ne sers à rien.
Ouais, parce qu'il est au droit quand t'arrives. Quoi? Attends. Ah, il est pas dans le... Attends, non. Là, il est pas dans Bonhomme, c'est pas ça? Ok. Parce que la mienne elle est pas alignée au Sam Gavis. Mais genre là il me dit que c'est bon. Parce que je suis pas en face, c'est une blague. C'est vraiment de la merde. Oui parce que ça fait pas le point d'interrogation. Ta mère toi, ta grosse mère. Casse-toi. Contente de te revoir. Écoute-toi. Eddie refusait de me montrer le petit jeu derrière cette porte tant que tu ne serais pas arrivé. Je vais péter son cul. C'est parti. Excuse-moi, tu me trouves irritable? C'est peut-être lié au splendide collier que m'a offert Eddie. Tu l'as remarqué? Il est éclatant. Y aurait-il des tensions entre vous par hasard? Écoute, ma grande. Je devrais coopérer pour obtenir la clé cachée ici. Clé cachée ici. Oula, c'est glauque ici. J'en connais un qui a lu le feng shui pour les tueurs en série. Oh, super. Je suis... Comme si le collier ne suffisait pas. Non, Batman, Catwoman, vous n'avez pas le droit de vous en sortir sans l'aide de votre binôme. 1, 2, 4, 5... 2... J'ai 5 interrupteurs et le spectacle lumineux le plus ennuyeux du monde. Et toi? Pareil. Oh, regarde. Encore des amis faits maison dédiés. Pas toi autant que tu veux, Catwoman. Sache que je n'ai absolument aucun avis. Vous ne pourrez résoudre ce problème qu'en considérant les choses du point de vue de l'un et de l'autre. De l'un et de l'autre. Attends, elle fait 1. Donc lui, il fait 3. Elle fait... Attends, après le 3, c'est quoi? C'est 1, 3, 4, non, 3. Voilà, 1. Ah mais c'est normalement ça par rapport à elle. Donc 3. Merde. 1. Après c'est 3, c'est bon. Après c'est... Elle a quoi? 3... Aïe putain, voilà, c'est pour ça les couleurs. 1. Ensuite... Elle a tapé quoi? Elle a tapé le 1. Après le 1... Tape le 3. Après, moi, il faut que je tape le...
Le coup après le 3. 1. 4. Alors, elle, elle a tapé le 2. Non. 1. 3. 5. Donc elle, elle doit taper le 3, 5, 2, 4. Lui, il tape son dernier. Bon, et bien voilà, nous elle, elle tape. Oh, putain. Les mots me manquent pour décrire le plaisir que j'éprouve à te voir déchirer dans les galères. Hop là. Ça va prendre toute la nuit, c'est ça? Mais vraiment 9 putains de clés. Bon, c'était sympa. Au moins j'ai pu frapper quelque chose. Est-ce que tu tiens le coup? Ça va. Arrête de jouer les inquiets. Aide-moi plutôt à enlever ce truc. Alors, on va prendre des compétences. Je ne ferai pas victoire trop tôt à votre place. Chevalier Noir, tu pourras trouver mon prochain délit sous Elliot Memorial Hospital. L'emplacement s'avérera très pratique quand tu t'évanouiras l'épuisement mental. Tu ne t'es toujours pas excusé. Pourquoi? Pour avoir laissé Eddie le traiter comme une pirate repentie, comme l'un de tes acolytes. La moitié des truands de Gotham pensent que je te fournis des renseignements. C'est le cas. Oui. La prochaine épreuve de l'homme mystère est à Bristol. Je dois retourner au pont pour amener la Batmobile sur Miagany Island. Oh, qu'est-ce que tu attends? Invite-la à dîner. Je ne dis pas que je suis encore torturé par Thunder et Doule, quand même. Ça fait plusieurs mois. Même les vers qui ont mangé son cadavre sont de t'oublier. Tu vas vraiment passer à côté de cette potentielle histoire d'amour. Juste parce que j'ai percé les poumons de ta copine. Ah, croisons un homme expérimenté, Bruce. Retourner au pont pour amener la Batmobile sur Miagany Island. Faut que je retrouve la Batmobile.
dois retourner au pont pour amener la Batmobile sur Miagani Island. Il a le pont. Je dois retourner au pont pour amener la Batmobile sur Miagani Island. Bon. On va arrêter là-dessus, on va faire une pause du coup. Ça a plus d'avoir suivi cet épisode 4, c'était The Robama. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous.